si près du but, là, aujourd'hui, si près. Alors, on est capable de répéter ça, c'est juste qu'au bout de 40 minutes de mâchage, je pourrais vous dire que j'aurais aimé ça le passé. Là. C'est pas humain, man. C'est pas normal. J'avais 5 vies au 25e niveau. Je l'ai déjà... La première fois que je suis arrivé au 25e niveau, je l'ai eu first try. Je comprends rien. Comprenez-vous quoi là-dedans? C'est vraiment trop hasardeux. Je sais pas ce que j'ai fait de plus, man, pour passer first try, le 25e, quand je l'avais jamais fait pour pratiquer ma vie, jamais tenté. Puis là, j'avais 5 vies, je les ai toutes perdues au 25e niveau. Salut Daniel. Ah ben je me suis rendu deux fois au level 26 avec une vie, puis là j'avais 5 vies au level 25. J'ai fait le level 25 deux fois avec une vie, mais non, je comprends rien. Les deux fois je me suis rendu au level 26, j'ai fait le level 25. Oups. Merde. Voilà. J'aurais eu un petit bonus de points, ça aurait été bon. On va essayer de s'en reprendre avec la bombe. Première vie. Au moins on peut leur faire des feintes. Bon, j'ai trouvé ça cet après-midi. Pas suffisant. Ça serait pas des volcans. Là. Ben, en tout cas, même c'était même pas les volcans, c'était des avions même. Dans le stage 25 qui arrive en arrière. C'est ça qui m'a causé ma perte. Je suis mort trois fois à la même place, je pense. En rentrant dans un nuage, mais... Là, on peut rentrer dans un nuage, mais... Dans un tel type de nuage en particulier. Les nuages avec les diables là, qui lancent des éclairs plus loin dans le jeu. J'ai mal au pouce. Q-Bert, là, c'était répétitif, mais ça me donnait pas mal au pouce de même. Ça, on dirait que l'avion pèse une tonne. Hé! Ben, justement. Puis après, tu pitonnes nerveusement de même. Je peux avoir mal au pouce, même.
rien de relax là-dedans. Là. Failli crever à cause de la lenteur de l'avion. Mauvais décollage. Ah, j'ai été locus. Tantôt, j'ai été plus que locus. C'est ça qui arrive, c'était... Toute la chance que j'ai eue pendant 24 niveaux, le 25e, m'a tout ruiné les chances que j'ai eues. Pendant 24 niveaux, quasiment, j'avais été chanceux. C'était une game quasi parfaite. Le 25e niveau a dit non, c'est plus question, là, plus de perfection. Là. T'étais trop bien parti. Ça s'arrête là. Chanson encore? Sérieux, le jeu, sérieux? Des fois, c'est shitty, man. Ça commence tôt, les avions, là. T'es chanceux, la date, là. C'est des chances que j'aurais pas été censé avoir dans le cinquième niveau qui vont sûrement m'être fatales plus tard. Tu peux pas être chanceux de même tout le long, là. C'est bizarre à expliquer, mais c'est le même. Rien que dans les films, là, qu'on voit le monde être chanceux. Ça. Si je l'ai, tant mieux. En plus, j'avais bien joué dans mon autre game. J'avais envoyé plein de bombes. Oh. En parlant de ça, on va essayer de tenter notre chance. Ah, ça devrait être pas pire. Le jeu de tennis. Alors peut-être plus facile que ça. Pas le temps. On fait le tour du monde dans le fond. En 26 missions. Yes, le fameux badminton du Big Twin. Quand même pas pire, super dynamique. Badminton. Que j'ai maintenant dans ma collection grâce à vous. Merci.
Bon, c'est eux autres qui m'ont tué aussi, hein, au 25e niveau. Ah, le jeu de badminton. Le bruit de la batwater. Faut être quand même prudent, là. C'est chaque niveau, c'est un niveau à la fois. C'est dur d'être patient, là. Donc, je suis tellement patient qu'après, quand ça chie, j'explose. Hey! Mike and Gringles! Bienvenue à toi! Welcome! Zigzag, là, on a tendance à recevoir son explosion. Ah, come on. Pouette-pouette, sac à pouette. Tellement échappé belle, encore une fois. Yes, le bonhomme de la neige. Où est le Père Noël, là? Salut Mike, Mr. Pringle, bienvenue à toi. Merci pour le follow en passant. Ouais, challenge de tout finir les jeux de NES. Avec pas de code. Ben, je pense qu'il y a un code de password, ce jeu-là. Je suis pas sûr. En tout cas, sans code de password. Une Game Genie, évidemment. Puis tout avec les vraies cassettes de ma collection. Tous les jeux d'origine. Faire la bombe. Focus, focus.
Ouais, c'est un autre défaite. Oh, on a vu l'UFO, exact. On va la revoir à quelques reprises. Encore focus, focus. Nice. Au moins ils ont pas fait de loop là, j'aurais pu me faire piéger. S12. Mon record, c'est le level 20 sans mourir. Traite, hein? Ça, tu peux pas jouer à Roll Sol, c'est impossible. Même dans le milieu de l'écran, c'est risqué. Le plus haut possible, c'est le best. Puis être en avant au bon moment, sinon, c'est la galère. Apparition du UFO. Encore. Quasiment échoué ça avant d'arriver. La moitié du jeu de fait. Ah. L'autre moitié, c'est de moins en moins évident. Là. Le jeu de 14e, là, il me semble qu'il était tough. 14-18. La strat que j'ai trouvée cet après-midi, elle fonctionne. On la met à l'épreuve. Avec les avions chiantes. Sinon, c'est le bordel. Vos ennemis. Plus ou moins offensifs. Let's go.
Qu'est-ce qui est arrivé? Comment, bébé? Ouais, puis c'est la fin. Oui, c'est la fin. Il est long, ce niveau-là. Je pense qu'il y en a encore une section de pire. Ah, je fais. Mind blow avec ces avions-là qui arrivent en arrière, là, sérieux, là, je sais pas où me placer les balles. Ah, man, première vie perdue, je savais le 14e, il est tellement risqué, là. Je pense que tantôt aussi, j'ai perdu une vie-là quand je me suis rendu au 25e. Je n'ai pas reperdu avant le 25e, je pense. Dommage, on était arrivé, je pense. C'est ça le pire. Ou presque. On criera pas victoire tout de suite. Hein. Exactement. On est arrivé. Même scénario que tantôt. C'est rendu que ça passe plus avec ce niveau-là. Non, il y a tout le temps des respawns aux mêmes places, mais ce qui devient aléatoire, c'est leur déplacement, dépendant comment que, où tu te places. Ils peuvent après. Bien sûr, ça peut varier, là. Mais il va toujours avoir des respawns aux mêmes places. Ouais, please. Ouais, ça, faut que j'aille les tuer avant. Ok, good. Ce niveau-là, il est pas censé être si dur. J'ai passé le plus dur. Pour ça, tu sais, comme les respawns, ils apparaissent, on peut le savoir, là. Je m'en souvenais qu'il y en apparaissait trois en arrière de moi. Quatorzième. Ouais, lui, c'est un stage le fun. Quasiment. Presque. Je pense que j'ai jamais réussi de perfect à ce stage-là. Ouais, c'est le fun, ça en prend des niveaux relax là. Lui aussi, il me semble qu'il est pas long. Quand même être prudent. Depuis que j'ai cette strat-là, ça va beaucoup mieux. C'était pas mal les ennemis les plus dangereux, c'était ceux-là. Peut-être en rien avoir d'autres. Thank you.
Ouais, c'est un autre défait. Faut éviter la traduction, hein. Hey, welcome tonight, Ultimobile. Pas évident le 18. J'ai rendu, j'ai plus de facilité avec le 18 que le 14. Focus. 2021 qui s'en vient avec les volcans. On est en hiver pour voir avec les volcans après. Nice, stage pas pire. 2021 en vue. Ah, je disais, c'est pas à 180, c'était à 160. Mais la prochaine est à 240. Étape de franchie. J'ai quand même fait toucher, mais j'ai survécu. Ah non, ça j'aurais pu éviter ça. Ah, là, je commence à être de plus en plus affaibli. La vie la plus perdue. Poche, man. Ça, c'est poche, man. Oh,
Man, j'aurais eu des chances peut-être de l'avoir pareil. Même pas fini en plus. Merci, t'es tout premier. C'est là que ça kill. 21. Au moins, j'ai passé le 20. C'est entre le 20 ou 26. Là, c'est là que c'est le plus dur. Le plus facile, c'est le 24. C'est un tableau bonus. Je les appelle comme ça. Ceux des targets. Les deux avions en arrière! Les deux avions en arrière! C'est les fautifs. Tantôt, j'avais réussi à passer, là. C'est vraiment les fautifs, les deux avions en arrière, là. Tantôt, j'avais eu les baisses RNG avec le 20-21, je les ai passés les deux sans mourir. J'avais 5 vies même au 25e niveau. Regardez, là, qu'est-ce que ça fait. Ça passe pas, même. Le jeu veut rien savoir, là. Là, il m'envoie ça, même. Hein? Voulez-vous que je l'aille? Il m'envoie ça juste au mauvais moment. Man. Juste pendant qu'il y a le volcan en plus. Oh. C'est pas possible, rendu là, hein. C'est presque pas possible. Hey, j'ai pas touché! Ça serait pas des volcans, mais non, là, rien. Ça va pas assez vite, l'avion. Même. 3 vies perdues, même 4, même, je me souviens plus. Là. Toutes mes vies perdues au 21, comme si c'était le 24. Là. Ah. Toute mon énergie, je la mets là. Même. Tantôt, c'était parfait, même, le nombre de vies. Fallait que ça passe au 25. Pourquoi que là, ça tose, ça choke, man? Pourquoi ça choke? Pourquoi ça choke? Les RNG sont donc bien en pas en ma faveur en ce moment. Là. Autant que tantôt ça a passé easy dans le haut, même, puis là ils tirent trop haut, même. Autant que des fois ils peuvent tirer bas, là c'était infaisable. Ma dernière vie, wow! Miracle si je me rends à 240 000, j'ai dit. Oh man! Est-ce que c'est beaucoup d'efforts mis, même, pour ce run-là?
C'est autant qu'il était bas, tu sais. Il y en avait juste un aussi, il n'y avait pas deux dessus. Merde, 21e niveau. Il reste un micro-espoir. L'espoir la plus mince, même l'espoir de se rendre à 240 000 puis de passer de 22, 23, 24, ça va être easy, puis 25 que ça passe. 26. 22, 23, 25, 26. Alors ça commence bien. Ça se place vraiment à les hauteurs où ce que crif, j'ai pas accès. Ah bon, mais vraiment placer une place parce que hein, on va l'ignorer, je pense. Ça serait juste des niveaux comme ça, puis ça serait pas des volcans, là. Ça a l'air quand même assez faisable. C'est une voix que les volcans qui causent... causent ma mort. Déjà que ça peut être tough des fois avec les avions, là, parce qu'ils sont random. C'est quand même 20 000 points à faire avant d'avoir. Ah non, on peut l'avoir. Si je passe ce niveau-là, on l'a au stage bonus. Comment ça le monte? Presque arrivé, là, sûrement. Nice. Bon, ben, je suis sûr d'avoir une vie. Oh, man, c'est le 20. Criff, il reste quand même le 25-26 après, là. Avec seulement deux vies, là, je vais gagner une vie. Là, c'est ma dernière, même si c'est écrit que j'ai une vie dans le haut. Hein. J'en ai pas... Non, j'en ai pas une tonne. J'ai juste elle que j'ai actuellement. Je n'ai pas en réserve. Bon ben. Non, il reste deux niveaux avec juste deux vies. Si j'aurais pas perdu même autant de vies, même, au 21.
au 21e, de quoi de même. Ouais, thanks pour le follow, merci. Ça a pas fait ça tantôt, man. J'avais 5 vies. N'importe quoi. Hein. Là, j'ai aucune idée à quoi m'attendre. Hein. Ça, ça a pas fait ça tantôt. Qui toutes mes vies. Je pense que c'est vraiment de rester là. Là. Pas bouger. Hein. Presque arrivé, là. Faut pas que je me fasse toucher. On est presque arrivé. Non! Comment je vais faire pour le passer, ça? Voyons. Waouh, on est presque arrivé, on l'aurait eu, là. C'est cheap shot. Je sais même pas c'est où qu'il y a une autre bombe. Ça, c'était là, la bombe. Ah, comment? Sûrement qu'il y a encore possibilité d'avoir une bombe. Le niveau doit être loupé. Ah ouais, on va l'avoir, là. Ah, il n'y a plus de bombe. Ah non. Ah, il y a une bombe à quelque part. Là. Hein? Ça se crache tout seul! Il se crache tout seul! Ils me refont pas faire la mission au début! Oh non! Wow! Unbelievable! T'as une chance! Où je me place, man? Les avions derrière moi, puis il est arrivé quoi? Il est arrivé des imprévus, me semble! Aïe aïe! Thank you.
Quand on dit que le plus dur est fait, hein, c'est ça qui est space. Ce stage-là est moins pire que le 25. Hein. C'est pas nice l'avion dans le monde. Oh my god, man. Goodness! Oh man, enfin, man. Wow! Oh, man. Oh my god, je l'ai vu, party! Ouais, c'est le party dans la cabane, man. Mais là, tu fais toi ça, man. Happy ending! Ah non, le jeu continue. Come on, game! Ils veulent ma peau, man! Wow! Hey, GG, man, on a réussi. Ah, j'en shake quasiment. Encore une fois, man, je vous le dis, j'ai une genre de petite tremblotte, là. Oh, Sky Kids! Si vous voulez voler puis planer pendant des heures comme moi, pendant 10h28 et 28 et 83 secondes de millième, ben, c'est ce jeu-là pour vous faire décoller, man. Ah, oh, man, sérieux, c'est pas évident. Les derniers niveaux sont vraiment chiens. Les volcans, là. Ça serait pas des volcans, je l'aurais déjà beaté, je pense, bien en bas de 10 heures. Là. Déjà, je commençais, man, dans les 3 premières heures, à être au top, man, presque. Ça, graduellement, ça s'est amélioré, mais... Yes, un sub TMR. Mais, je peux dire que, quand même, j'ai été voir comment... la façon qu'on s'y prenait pour terminer le dernier niveau. Là. Il y a juste ça... Sinon, man, à part ça, là, tout le reste du jeu, je l'ai fait sans spoiler, sans rien. Ça m'a fait sauver un petit peu de temps parce que je me demandais vraiment comment battre le UFO. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de boss depuis. Fait que, en tout cas, c'est ça la technique. On a même vu, man, le crash épique à la fin du 26e niveau. Si on réussit pas à se rendre avec notre bombe, il n'y a pas une deuxième bombe. Ah, c'est chiant, ça. Ils te refont en plus commencer au début du stage. Fait que j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave, c'est le principal, c'est de l'avoir eu. C'est pas un speedrun, c'était beat the game à 1%. C'est chose faite, man. Yes, yes! Ah, c'est jouissif, man. Sérieux, c'est vraiment satisfaisant, là. Ça, c'est concentration ultime jusqu'à atteindre son objectif. Thanks, gang. Merci en tout cas. Merci pour les GG, man, tout le monde. Mike, Mr. Pringle, Lutin, man. Ancibuno, Daniel, Kiff. Wexker, Swiss Army, Optimobile, Poil du Bout, man, Flagamozo, Wistone, man, Tatou Premier. Ah, vous êtes nombreux, là. Daniel, je vous ai peut-être tout mentionné, ou presque, Sansato. Et oui. En tout cas, man, si j'en oublie, désolé, merci tout le monde encore. Yes, 1001 GG. Mission accomplie, comme on dit. Mission complete.